Well, hi everybody. Today it's a great honor to be here with you just to help you in English, okay? I am going to help you so that you can speak English better. You can speak English fluently. Okay, like I told you that today I am very happy just to help you in English, to speak English fluently, okay? So I think that everybody who's following me will not regret about my lesson because I am going to help you find good words to get good pronunciation, okay? So that you can speak English like an American, even better than American, okay? No problem. Well, today I am going to talk a little bit about the verb to be. To be verb. First, I am going to conjugate the verb to be in the present form, okay? Okay. Simple present of the verb to be. Okay. First, we have I am. I am qui signifie moi. You are. It. She, he, is, we, are, you, are, they are. Okay. Simple present of the verb to be. Okay, present simple verb to be. Nous gagnons c'est I am. You are. It, she, he is. We are. You are. They are. Okay? Come on, everybody. Repeat after me, please. Repeat after me. I am. You are, it, she, he is, we are, you are, they are. Okay. Now, si, par exemple, na forme contractée, na seulement dit, I. Et puis ça, la bienti contracté comme ça qui signifie here, ok? Nous gagnons ça la chaise or haze, ok? Nous gagnons OK.
Là, normalement, nous avons les verbes to be au présent. To be au présent. Pas oublier, verbe to be, c'est un verbe auxiliaire. Ça veut dire, nous parlons d'un verbe auxiliaire. C'est un verbe qui a une capacité pour aider l'autre verbe à conjuguer dans plusieurs formes. Okay? Par exemple, nous gagnons simple from of the verb to be. Nous gagnons simple present. À présent simple, verbe to be. OK? En français, c'est le verbe être. Et normalement, nous pouvons conjuguer l'ensemble. I'm. Ça, c'est forme simple, ça, c'est forme contractée. Par exemple, les Américains ont parlé, les pas just prend temps pour le dire I am. OK? Il dit I'm. OK? I'm. You are. It, she, he is. She's, his. OK? We are. OK? You are. OK? There. Là, l'eau est TH. Comment vous prononcez TH? Là, on fait comme si c'était sous langue. Ou à prononcer. Parce que, par exemple, les gens qui parlent sous langue, ils sont plus capables, normalement, de prononcer TH. Vous comprenez? Par exemple, vous pouvez dire D. Vous pouvez dire V. There. There. OK? Là, nous gagnons. There. OK? There. Come on, everybody. Repeat after me, please. Come on. I'm. You're. She is. He's. We're. We are. You are. They are. There. Okay? Okay, no problem. Guys, I hope that everybody is listening carefully. If you listen carefully all my lessons, so I think that you're gonna speak English like an American, even better than American, as I always say, okay? No problem. Kounya la, nou pral fè yon fraz ansanm avèk sa yo. Avèk prezan simp verb to be. An fè yon fraz avèk prezan simp le verb to be. Par ekzanp, si map di, mwen itilize verb to be, map evan ton fraz mwen itilize l. Par ekzanp, si mwen gran go, ok? Mon grand goût et m'a dit I am hungry. OK? I am hungry. OK? Mwen a dit par exemple, mwen doit parler avec maman ou bien parler avec sœur ou dit mam. I'm sorry guys. OK. Mom, I am hungry. OK? Mom, I am hungry. Par exemple, quelqu'un va dire maman moi grand goût. Mom, I am hungry. I am hungry. Faut utiliser intonation là où on parle. C'est pas dire mom I am hungry. Non. Mom, I am hungry. Mom, I am hungry. Par exemple, quelqu'un va dire maman moi grand goût, on va aller chercher un bagage pour manger dehors. We're gonna say, Mom, I am hungry. I am going to see, c'est le verbe voir, if I can find
find ça, le verbe trouver, something to eat. Ok. Normalement, moi, t'es banni au principe dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo qui me fait la guerre. Moi, t'es dit nous que les par exemple, yon mot gagne deux voyelles ou à prononcer première comme si vous te prononcez dans l'alphabet et puis deuxième dans la fait silence. Par exemple, nous gagne le verbe to eat. Nous avons ça, il y a deux voyelles là-dedans. Nous avons juste prononcé première, même si nous te prononcez dans l'alphabet et puis deuxième dans la fait silence. Nous gagne eat. Deuxième dans la fait silence. Eat. Ça, il subit le même principe là. Moi, t'ai fait vidéo avant yo, pour nous, juste pour nous être capable et normalement commencer à comprendre quelque bagaille. Mais là, nous allons commencer à entrer dans maman causée. Nous allons commencer à entrer dans maman quoi. Est-ce qu'on comprend? Et ça fait qu'on y a là, on va loin. Nous allons commencer à montrer technique pour commencer à parler langue. Qui vont pas utiliser intonation, qui vont pas parler, comprend? Et normalement c'est ça nous pour le montrer. Et pas oublier principio, toujours qu'un principio, les mots à déterminer, les gens de voir la donne première et prononcer même genre avec gens de prononcer dans l'alphabet, puis deuxième là faire silence. Et dernièrement noter bah une autre et technique encore mot qui termine par ICA DZLY, et ben nous pour le côté A lui-même la faire silence. OK, nous rester pour nous parler de plusieurs autres bagages, mais nous voulons entrer dans maman causée, vous comprenez, et puis pour nous capables d'aller ensemble avec quoi. Tout le monde qui a suivi, on a allé venir pour un bon bête. Yeah. Ok. Mom, I am hungry. I am going to see if I can find something to eat out. Ok. Bral banon l'autre green principe encore. Mais green principe bral banon. Lorsque nous sommes T, l'inamitant de voyelles. Par exemple, les T dans mitan de voyelle, nous connaissons les voyelles, et c'est O, E, I, etc. Ok? Les nous venons nous jouer tonton ça, lui-même li dans mitan de voyelle, par exemple, tu besoin parler anglais à bien, besoin parler anglais à normal, vous savez des normes, vous savez des principes, vous comprenez? Ou supposé appliquer. Les tontons ça dans mitan de voyelle, tout le monde connaît qui ça qui voyelle. Dans le temps de voyelle, eh bien, on va prononcer légèrement comme B. On va prononcer légèrement comme V. Ouais, comme D. Ok? Par exemple, gagne la phrase ça là, gagne la phrase ça. M'bral 10 phrases là. Avant 10 phrases là, m'bral ben nous quelques, et normalement, vocabulaire qui marchait avec samedi. Ok? Normalement, nous, ouais, nous, ça. To notice, ça veut dire le verbe remarquer. Vous comprenez? Par exemple, nous avons là, T ça, lui-même, l'inamitant de voyelle. Pas oublier, règle a dit, depuis T, l'inamitant de voyelle. Si vous voulez, vous pouvez prononcer T légèrement comme T. Si vous ne voulez pas, vous êtes capable de quitter le comme ça. Ok. Entendez. Je ne sais pas si c'est écrit pour nous, mais juste mettez. Mettez tête nous en place pour nous capables de samedi. Les T, nous mettons deux voyelles, les prononcer légèrement comme D. Par exemple, nous avons un premier exemple. Là, puisque T, nous mettons deux voyelles, nous pouvons prononcer légèrement comme D. Mais si nous voulons tout nous prononcer le genre, nous avons dit notice. Ok? Notice. I notice. Ok? M'remarque. I notice. Mais, sou pral pa l'anglais pour lè ou moun parle, mwen pran nou go pral to, pi pou yo wè, ke ou te apren l'anglais an kote, mais ou pral prononcer ça légèrement comme D. Wap di, I notice, no, notice, note, note, notice, 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 de, de, notice, sa yi premier, notice, et sa ki gen de ya, sa mdi ou ka prononcer légèrement comme de ya, notice. Mais première façon qu'a prononcer c'est notice.
Mais pour prononcer le plus normal, on dit notice. I notice a lot of people here. I notice a lot of people here. Ok? Moi, je marque un peu le monde là. Ok? Moi, je marque un peu le monde qui va suivre. I notice a lot of people is following me. Ok? I notice a lot of people is following me. Ok? Moi, je marque un peu le monde qui va suivre. Ok? C'est ça qui fait ma bonne principe. Ça va bonne bon bête. Bonne bon bête. Pas briller, out signifie dehors, à l'extérieur. To eat vle di et normalement manger. Et ben là vinge la le pral font liaison nan lan. Le pral font liaison meni le pral fait une liaison té ça ou elle li getan mon premier voyelle, mon deuxième voyelle, et ben té ça li nan metan voyelle ça ou pral faire une liaison égal. OK? Mom, I'm hungry. I am going to see if I can find something to eat out. Okay? I'm going to see if I can find something to eat out. To eat out. Okay. Là, nous remarquons, moi pas dit to eat out. To eat out. Mais, li bon tout. Et normalement, moi I'm just say eat out. Okay? I'm going to see if I can find something to eat out. Okay? To eat out. To eat out. Okay? To eat out. To eat out. Laisse ça, l'on parle comme ça. Américain a pour un côté, a pour un côté. Ok. Mais nous supposons que ça y est la rapidité dans la langue. La langue n'a pas marché sans rapidité. Par exemple, si je dis phrase ça, je dis maman, mon grand goût. Hein? Si je dis mon grand goût, je dis I am very hungry. Mom, I am very hungry, okay? I am very hungry, okay? Mwen gen gwo an pil. La, mes amis, mwen di, I am going. Mais, par exemple, nou konnen, parfois, Américain konnen, reduce. Lèm palo de reduce, sa li di li, redui mwen yo. Li pa di, I am going. Swa li di, par exemple, deuxième façon, li di, I'm going. I'm going. I'm going. I'm going, okay? I'm going to see if I can find something to eat out, okay? Well, principe pour nous connaître, Américain bon mode, li réduit phrase la net. Li pa di I am going, li di I'm gonna. I'm gonna, okay? I'm gonna, okay? Mom, I am hungry. I'm gonna see. If I can find something, ok? Là, nous avons accent qui tombe là. Dans le premier signe, là, vous supposez peser, voir. If I can find something, something. Moi, ça a gagné plusieurs sons là-dedans. Ou qu'à dire, comme something, or something. Dernier, grenant, lui, était dans non. Premier, mon cas dit something. Deuxième, mon cas dit something. Ouais, là, Pabli était H. Comment me prononcer? Normalement, tout le monde est là, on dit something. Something, ok? On prononce TH sous langue. Par exemple, si vous avez parlé même genre avec blanc, même genre avec un américain, mais vous avez une façon pour parler, ok? Vous avez une façon pour parler. Ok? Là, on dit, il y a trois sons, vous êtes capable de dire. Vous pouvez dire something. Ou ka di something, ou ka di something. Something, ok? L'autre dernier grenade, il répond non. Là, il est son nasal, ok? Ok. Mais, il faut nous dire la rapidité de la parole. Par exemple, si nous voulons lire l'impôt, nous allons dire Mom, I am hungry. I am going to see if I can find something to eat out. Ok? I am going to see if I can find something to eat out. Nous pral wè si nous dégagez nos bagages pour manger dehors. OK? Mais si par exemple, on va utiliser une rapidité, on va utiliser une rapidité en façon pour parler. Mom, I'm hungry. I'm gonna see if I can find something to eat out. I'm gonna see if I can find something to eat out. What? I'm gonna see if I can find something to eat out. OK? Vous pral wè si par exemple, ou joignez yon bagay pour manger dehors. Pas oublier que et j'aime dit non ça les n'a met en deux voyelles. L'elle n'a met en deux voyelles, on prononcer légèrement comme des to eat out. OK?
Well, ok, pas oublier, nous gagnons, et c'est toujours quelques petites phrases qu'on a fait avec le verbe to be. Et pas oublier, comment nous te conjuguer le présent. C'est toujours au présent, nous. Nous ne pouvons pas aller au aucun bagage, nous ne pouvons pas aller au passé, nous sommes toujours au présent. Vous comprenez? Et normalement, ouais, ok. Ok. Par exemple, nous devons dire, nous devons faire une autre phrase. Ok. Par exemple, nous avons un verbe qui dit I am going to the movie tonight. I am going to the movie tonight. Ok. Ça veut dire le verbe to be. I am going to the movie tonight. Si ma, par exemple, nous avons dit que est-ce que vous pouvez aller avec dans le cinéma en soir? Laisse ça. Qui ça va l'utiliser? Je vais l'utiliser. Et ça a eu une transformation. Par exemple, nous avons le verbe to be. Par exemple, nous avons le verbe to be, deuxième personne du singulier, c'est you are. You are. Ok? Mais là, par exemple, je vais poser une question. Je vais juste faire une transformation de ça à ça. Ça va remplacer ça. Ça va remplacer ça. Ok, si je vais dire, est-ce que vous pouvez normalement dans le cinéma avec ma soya, là, ça va faire une transformation. Ma dit c'est Are you going to the movie tonight? Are you going to the movie tonight? Est-ce que vous pouvez aller dans le cinéma à soya? Are you going to the movie tonight? Movie, ok? Are you going to the movie tonight? Si par exemple on a pris pour lui, il va pas dire Yes, I am. Pabli, depuis vous posez une question avec le verbe to be, règle a dit ou supposé répondre avec le verbe to be. Par exemple, nous là, c'est le verbe to be, son transformation qui fait seulement. Namo, son seule transformation. Are you going to the movie tonight? Yes, I am. Ok? No, I am not. Par exemple, si la paye une réponse négative, la dit no, I am not. Ça veut dire ça c'est forme positive, ça c'est forme négative. Là, les par exemple. Il dit ça, il dit yes, I am. No, I am not. Ok? Are you going to the movies tonight? No, I am not. Are you going to the movies tonight? Yes, I am. Yes, I am. Ok. Par exemple, si par exemple, j'aime te dire non là, Léo pose une question avec le verbe to be ou supposé répondre avec le verbe to be. Léo pose une question avec le verbe to do, supposé répondre avec le verbe to do. Ok? Normalement, si mon ando, do you want to go with me? Ok? Là, mon impose une question avec le verbe to do. Pas oublier. Le verbe to have, ce verbe auxiliaire que vous avez aidé l'autre verbe conjugué autant que vous n'avez pas capable conjuguer. Ok? Moi toujours dis-nous que, les par exemple, vous posez une question avec le verbe to do,
ou à répondre avec le verbe to do. Lui pose une question avec le verbe to be ou à répondre avec le verbe to be. Ou à utiliser maintenant ça repose là pour répondre. Ok? Là, il pose une question, hein, c'est le verbe to do qui commence. Do you want to go with me? Ou voulez aller ensemble avec? Do you want to go with me? On va aller with. Hein? Là, on dit son. Depuis TH, on toujours bat pour TH prononcé sous l'an. Ok? Do you want to go with me? Do you want to go with me? Ou voulez aller ensemble avec? Ou voulez aller ensemble avec? Yes, I do. Yes. I'm sorry, guy. I'm sorry. Yes, I do. Oh, no, I don't. Okay. Listen carefully. Like I told you guys, when they ask a question with the verb to be, you have to answer with the verb to be. When they ask a question with the verb to do, you have to answer with the verb to do. Okay? Léo pose une question avec verb to be, ou supposé répondre avec verb to be. Léo pose une question avec verb to do, ou supposé répondre avec verb to do. Moi, je vais vous donner un exemple. Do you want to go with me? Vous voulez aller ensemble avec? Yes, I do. Ça veut dire, mon nom dit oui, moi, je veux. No, I don't. L'el do no I don't, ça veut dire, il dit, moi, pas avec. Ok? Do you want to go with me? Hey, guy, do you want to go with me? Hey, my friend, do you want to go with me? Do you want to go with me? Do you want to go with me? Parfois, les nous parler dans les sons plus avancés, nous ne pas dit do you. N'a pas ni just réduit le nom de do you want to go with me? Do you want to go with me? Vous voulez aller ensemble avec? Yes, I do. No, I don't. Ça, c'est réponse positive. Ça, c'est réponse négative. Ok. Deuxième bagage, je vais faire nous comprendre. Je vais poser une question avec un autre verbe. Pour me montrer nous ça que je voulais dire exactement. Pas oublier, nous avons to be au présent. Au présent simple. Je dis, on a fait seulement présent. Nous n'avons pas fait aucun autre temps. Mais pendant ce temps, on a quelques petites formules pour commencer à parler. Par exemple, nous avons posé une question avec le verbe can. Jamais, pas jamais dit to can. To can. Ça n'a pas existé. Comprenez? Ça, c'est un verbe défectif. Ok? Il n'a pas jamais pris tout devant. Yeah. Il n'a pas pris tout ni devant, ni derrière. Par exemple, regardez le verbe to have. Il n'a pas pris tout ni devant, il n'a pas pris tout ni derrière. Par exemple, nous avons le verbe to have. Ok? Ou qu'a dit I have. I have a pen, ok? Moi j'ai une plume. I have two pens, ok? Moi j'ai deux plumes. All right? Et normalement, si par exemple, l'élipprend tout devant, ce verbe avoir, mais l'élipprend tout derrière, les ça, les vins verbe devoir, ok? Par exemple. Je dois être là ensemble avec un série de monde. Et puis, venu arrive un moment, il fait l'air pour m'aller, il me dit, it's getting late. Ouais, it's getting late. It's getting late. I have to go. Hey bro, it's getting late. Il nous a dit, ah, il commence à faire ça. M'doué aller. I have to go. Laisse ça, to have, il prend toi derrière.
Mais ça lui signifie devoir. It's getting late, ça veut dire qu'il commence à faire tard. Vous comprenez? It's getting late. Hey, it's getting late. Mon bel petit frère, ça, mes amis. Mon petit frère, ça, on commence à parler, mais on vit 4 amis. Hein? Et puis les moments arrivent pour nous aller, pour nous dire, it's getting late. I have to go. I have to go. It's getting late. I have to go. We can say, I'm sorry. I'm sorry. I cannot play anymore because it's getting late. I have to go. Vous dites maintenant, ah, désolé parce que je vais pas jouer encore parce qu'il commence à faire ça. Je suis supposé aller. I have to go home. Je suis supposé aller à la caisse. Ok. It's getting late. I have to go. Ok. Yeah. Nous avons juste pour une phrase ensemble avec nous. Juste pour nous être capables normalement de comprendre. Let's get back to the point. On retourne dans ça ne va pas faire. Ok. Par exemple, nous te disons, les poser nos questions avec le verbe to do ou après on a avec le verbe to do. Les poser nos questions avec le verbe to be ou après on a avec le verbe to be. Les poser nos questions avec can ou après on a avec can. Par exemple, vous devez dire can you help me? Par exemple, si vous avez demandé aide, comprenez? Par exemple, vous devez arriver à un côté là et puis on a un petit problème, par exemple, on va chercher un côté, on va joindre ni même besoin d'aide. Laisse-moi arriver, on va dire on va venir saluer mon nom, d'abord on va saluer mon nom. On va dire hello, hello, how are you? Okay? How are you? Okay? Quand il y a quelqu'un on va dire can you help me? Can you help me? Est-ce que vous pouvez aider s'il vous plaît? Can you help me please? Vous pouvez aider s'il vous plaît? Can you help me? Quand il y a là, mon nom, il peut répondre l'abdou, yes, yes, I can. N'oubliez, il pose une question. Quelle question posée avec le verbe can, il répond avec can. No, I cannot. I cannot. Hey, can you help me? Yes, I can. Can you help me? No, I cannot. I cannot. Par exemple, forme ça sous le cas contracté, le cas dit I can't. Laisse ça ou contracte-t-il. Can you help me? Yes, I can. Can you help me? No, I can't. I can't. I can't. Ok? Yeah, ça me fait nous question à poser avec le verbe can. Lui répond avec can. Ouais, lui pose à can, lui répond à can. Qui ça m'a dit bon? Ok, m'te parle, m'te pose question avec le verbe to do, m'te pose question avec le verbe can, et puis m'te pose question avec le verbe to be, ok? Là, parce que nous sommes capables en mesure pour nous commencer à comprendre exactement côté nous. Yeah. Ok. Par exemple, j'aime te dire ya, ce verbe to be au présent. J'aime te conjuguer le verbe to be. Ya. Nous te parler de I am, you are. Ok? You are you. Par exemple, je vais poser une question pour montrer ok. Par exemple, je dis assez presque verbe to be en plus moyen au présent seulement. Nous pas compliquer les choses. De temps en temps, m'a voué l'autre vidéo pour nous pour accompagner et normalement. Are you a good student? Ok. Are you a good student? Yes. Yes. I am. No. I am not. Ok, sa réponse. Sa c'est réponse positif, sa réponse négatif. Ok? Là, nous avons le mot student qui signifie étudiant, élève.
pour parler anglais bien, pour prononcer bien, faut qu'à prononcer mot ça très bien. OK? Par exemple, mot ça gain plusieurs sons là-dedans. Il gain plusieurs sons, I'm sorry. Ou capable dire student ou mieux capable dire stud. 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 Et ça, il répétait nani. Stud. Par exemple, moi, je m'a parlé avec un monde, je m'a pas dit, are you a good student? Je m'a pas dit ça. Je m'a parlé d'une façon qui est plus normale, qui est plus normale. Are you a good student? Are you a good student? Et puis, moi, ça, tout pas prononcé, pas tellement la bouche, nous, les nabdil. On a dit, a good, good. Are you a good student? Non. L'on parle comme ça, on parle en broken English. Ça veut dire anglais, on a raté. OK? Well. OK. Are you a good student? Are you a good student? 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 Ouais, comme si c'est. Et comme si on a dit, les mots. Student? Are you a good student? Are you a good student? OK? Si par exemple, l'étape en S, ou a juste dit, are you a good student? Students, 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 ok, students, 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 ok. Ben, me répéter encore. Come on, everybody, please, everybody, repeat after me. Come on, student, student. Student, 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 student. Are you a good, good, good? Are you a good student? Are you a good student? Est-ce que vous êtes un bon étudiant? Yes, I am. No, I'm not. Are you a good student? Yes, I am. Are you a good student? No, I'm not. OK. Sous son bon étudiant, ça va faire, ou abonner avec Chanel là, ou cliquer, ou retirer petit bouton en dessous et personnaliser, ou mettre le sous tout dos, et puis, ou suivre nous. Vous comprenez? Si vous suivez nous, et puis, leçon à leçon, et normalement, nous prenons le bord plus bête, laissez ça vous prenez le capable de parler anglais. Même gens avec américains. OK, nous allons utiliser troisième et première personne du pluriel. OK. We are happy. We are happy to see you. Ok, toujours c'est le verbe to be au présent. Le verbe, et nous avons happy qui signifie content. Tout aussi, on connaît c'est le verbe voir. We are happy to see you. We are happy to see you. Ok, we are happy to see you. Ça veut dire nous content well. Nous sentons content en pile. Ok, we are so happy. Ok, we are so glad. Ou bien, sou pa ve di happy ou gen wa di glad. We are so glad to see you. Ok, I am happy to see you. You are happy to see me. Ok, we are happy to see you. Ok, no problem guys, let's go. Par exemple, si nou pa di yo kontan wè nou. Ok, nap di They are happy to see all of us. Ok, yo kontan wè nou tout. Ok, they are happy to see all of us. Ok, yo kontan wè nou tout. Ok, they are happy to see all of us. Okay,
You can say they are happy to see all of us. Okay, yo content wè nou tout. Okay, blan di ke yo content wè nou tout. Okay, they are happy to see all of us. Okay, bon. Mba wè genyan pil baye la pou mdi anko la nou. Avèk le verb to be, au présent. Nou pou kwa alè nan au passé, futur, conditionnel, non. Se pèlman nou la nou au présent. Nou pale de I am happy. You are happy. Ok? Denye fraz la fè pou nou termine. Nou pral konjuge le verb to be. Ok. I am happy. You are happy. You are happy. She is happy. Oh, she is happy. We are happy. Happy. You are happy. They are happy. Okay. Okay, come on everybody, repeat after me. I am happy. You are happy. She is happy. We are happy. You are happy. They are happy. Once more time. Come on, everybody. I am happy. You are happy. She is happy. We are happy. You are happy. They are happy. Ok? Ça, c'est le verbe to be au présent. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your time. Ok? May God bless you and have a good night in the name of Jesus Christ. Okay, just follow my lesson and just to subscribe my channel. So I think that you are not going to be regret about my lesson, because I am going to prepare some lesson that's gonna help you in the future. Okay, if you wanna grow up in the future, so my lesson will be very important for you. Come on. Okay, thank you very much. May God bless you. Have a good night.